Salut les amis, c'est Alès Gaming, nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo hitboxing que vous avez dû voir dans la miniature. Hitboxing d'un colis que j'ai reçu de Jevensen Driver, désolé. Je mets le lien au-dessus de l'écran. Voilà, donc c'est un gars qui m'a proposé des jeux à acheter. Par rapport à... J'ai fait des achats des jeux de PS2 que j'avais pas dans la collection, qui m'a fait un super prix. 20 euros le lot, franchement, 20 euros, franchement, j'ai eu. Ouais, il y a des jeux basiques à l'intérieur, mais bon, ça fait plaisir. Et après, je sais que j'ai un jeu, je dois avoir, je sais pas, je vais voir ça, je vérifierai. J'ai pas fait gaffe, mais normalement, le reste, je les ai pas, donc ça tombe super bien. Donc voilà, le gros colis de sa part. Donc franchement, merci, c'est cool. 20 euros, franchement, le lot, ça fait plaisir. J'ai pas fini, j'ai encore des lots à vous faire montrer plus tard. Voilà, on va ouvrir le colis. Franchement, le carton, si je peux encore le recycler, ça serait bien. Voilà. Voilà. Normalement, il m'a mis un petit mot, je pense. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors là, il m'a mis un petit mot de sa part. Alors, on va lire ça. Alors, salut, voici comme convenu les petits jeux PS2 pour agrandir ta full set dans certains cadeaux. Ok. Je n'ai pas eu pour peu plus à la poste car ils ont changé l'éditeur, mais c'est pas grave avant que ça te dérange car moi je ne fais pas le full set, mais simplement ce qui me plaisant. Bonne continuation, Jess Driver. Voilà, voilà. Merci. Je vais garder ton petit mot, l'ami. Franchement, merci. Je vais le mettre ça dans une boîte de PS2 tout à l'heure. Voilà le petit carton. Je vais garder le carton parce que là, il est propre. Pour envoyer des colis, c'est nickel. Je vais même garder les plastiques qui va avec. Comme ça. Comme ça, ça servira pour protéger les jeux. Voilà les amis, j'ai reçu un petit lot de sa part. Merci beaucoup à toi. Franchement, je suis très content. On pourra agrandir la full set, comme tu dis. Alors, bon, le reste, c'est pas grave. Alors, il m'a dit qu'il m'a fait des cadeaux de certains jeux basiques, on va dire. Alors. Ah, il y a un seul jeu qui, je crois, qui n'est pas complet. Normalement. Donc voilà les amis, j'ai rentré tout ça comme jeu PS2. Voilà. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jeux. C'est quand même pas mal. Et j'en ai un, je crois que je l'ai dans la collection. Au pire, je le regraderai. Parce que je l'ai, je crois. J'ai pas fait attention. J'ai pas fait gaffe à la jaquette. Parce que j'en ai tellement, voilà, c'est les Simstar, on va dire. Mais c'est pas grave, celui-là, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer les Simstar, donc c'est cadeau. Il m'a dit que les Simstar, il me les fait cadeau. Donc ça, merci à toi. Alors, j'ai un Simstar Pop 3, donc je pense que je l'ai. Malheureusement, je l'ai, donc je vais le mettre à la vente. Celui-là. Mais il est complet, celui-là. Voilà. Donc, c'est pas très grave. Et le jeu, il est en bon état, ça c'est cool. Donc celui-là, je vais le mettre à la vente, celui-là, il n'y a que celui-là. Je vais le mettre avec les Platinium, voilà. Les jeux de Platinium que j'ai eu par la part de... Voilà. Ensuite, j'ai deux Simstar que je n'ai pas. Ça, c'est sûr que je les ai pas. J'ai le Simstar Pop 4, voilà. Le Pop 4, donc celui-là, je ne l'avais pas dans la collection. Il est complet, celui-là, voilà. Et le CD, il est en bon état. Voilà, ça fait plaisir. Il m'a limité protection avec. Voilà, celui-là, je ne l'avais pas. Le Simstar Pop 2, le dernier qui me manque aussi. Donc voilà, le second, ça c'est le deuxième, on va dire. Il est bien sûr complet. Voilà. Voilà, et le jeu, franchement, ils sont en bon état. Hein. Oh là là, ils ont jamais été joués avec. J'ai l'impression. Donc voilà, ces deux Simstar, cool.
Celui-là, je ne l'avais pas, donc ça c'est génial. Je ne l'avais pas. Donc ça, les SimStar, c'est cadeau. Il me les a fait cadeau. C'est les jeux cadeaux qui normalement, c'est ce qu'il m'a dit, sans cadeau les SimStar. Ensuite, je rentre. Alors, tout ça, ce lot-là, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeux. Les 7 jeux, ils sont à 20 euros le lot. Donc, normalement, c'est ce qu'on m'avait convenu. Je rentre le David Douillet, le judo. Donc, celui-là, je l'avais pas. Ça, là, je l'avais pas encore possédé, celui-là. Donc, c'est cool. Il est complet. Voilà. Il est complet. Bon. Le jeu est en très bon état. Voilà. Donc, je l'avais pas, celui-là. Ça, c'est cool. Un jeu de judo avec un ancien. Comment ça s'appelle? Un ancien. Un ancien mec qui faisait du judo là, il était très connu, David Douillet. Un jeu qui n'est seul, qui est pas complet, Roger Lemaire, sélection des champions 2002. Voilà, mon premier jeu Roger Lemaire que je possède dans la collection par Comaster. Donc un des premiers jeux de jeu, la console. Voilà. Voilà, donc celui-là n'a pas de notice, celui-là. C'est le seul qui n'y a pas. Et le CD, ça va. Ça va très très bien. Juste la jaquette qui est un peu. Bon, c'est pas grave ça. Juste la jaquette qui est un peu vite fait, on va dire. Ensuite, je rentre le Conflit Vietnam. Voilà, le Conflit Vietnam que j'avais pas dans la collection. Il est complet. Voilà. Et à l'intérieur, il y a de la pub. D'accord. Ah, c'est cool, il y a même des jeux que j'ai pas. Voilà, regardez, il y a de la pub avec certains titres. Je vais garder précieusement celui-là. Voilà, et en plus, il est en très bon état, franchement. Et le jeu, oh là là, ils sont en très très bon état. Hein. Petite rayure en vite fait, mais c'est pas grave ça. Voilà, celui-là, je l'avais pas dans la collection. Ça, c'est cool. Je rentre le UFC. Tonden, un jeu de catch ou de je sais pas. Non, c'est pas du catch, c'est un sport de combat, mais vraiment violent, je crois. Ça n'a rien à voir avec le catch, c'est encore pire que le catch. Là, c'est de la violence, ce sport-là. Ça rigole pas, apparemment. J'ai vu mon frère, il adorait ce truc-là, ce genre de sport. Donc, mon premier que je rentre, un jeu de sport. Voilà, il est complet. Et l'état du CD est très bien. Voilà. Ça, c'est cool. Il y a juste la jaquette un peu dégueu. C'est pas grave. Voilà. Ensuite, je rentre un jeu de foot. Mais un peu spécial. Sega Soccer Slam. Voilà. Un jeu bizarre. Je l'avais pas dans la collection. Celui-là, la dernière fois, j'ai vu. L'état des CD était vraiment pitoyable. Je n'ai pas pu le prendre. Mais là, cette fois, je le rentre. Mais ça se trouve, il est en meilleur état. Donc il est complet. Voilà. Et le CD, il est pas en platine, vous attaquez pas, c'est normal. Hein. C'est les CD qui est comme ça. Et là, il est un peu plus mieux que le truc que j'avais vu la dernière fois. Un peu rayé, mais ça va. Voilà, ça va. Il est en bon état sinon. Ça va. C'est un petit peu rayé un peu par des micro-rayures, mais c'est pas grave. Et ouais, c'est cool. Parce que celui-là, bah je l'avais pas. Donc c'est cool. Et c'est un jeu de Sega, donc voilà. Je sais pas ce qu'il vaut ce jeu-là, ça pas doit être terrible à mon avis. Hein. Ouais, ça doit être un jeu de merde à tester à mon avis. et ensuite je rentre le Black. Alors le premier, enfin je le rentre celui-là, mais en version normale parce qu'il est en platinum. Voilà, par EA Sports, EA Games, voilà. Et il est complet. Il est vraiment les jeux de la boîte. C'est les derniers jeux de la console. Il est complet, voilà. Et le CD, il est très en bon état. Donc ça, c'est cool. Et la notice, franchement, elle est légère. Hein. C'est, ouais, c'est cool. Celui-là, je l'avais pas dans la collection. Le Black, donc c'est un jeu de vue RPS, un jeu d'action, voilà. C'est voilà, sans plus. Je connais pas, j'ai jamais joué de ma vie celui-là. Donc... Mais on a dit du bien. C'est un très bon jeu apparemment. Je pense que dans les commentaires, vous allez dire, ah, il est trop... Ah, c'est cool que tu l'as. Ouais, bah merci, c'est cool.
Voilà, donc voilà les petits lots de jeux, plus le jeu que j'ai déjà dans la collection. Voilà, donc on va dire que je rentre dans la collection 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jeux dans la collection que j'ai pas dans le full set. Et l'autre, ben, il sera à la vente ou à l'échange. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, encore un nouveau colis qui rentre, mais j'ai pas fini. Hein, encore un autre colis, je vais attendre fin de semaine ou je sais pas quand je l'aurai. Normalement, il m'a dit qu'il l'enverrait aujourd'hui. Donc, il l'enverra aujourd'hui de chez lui. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du prix 20 € les 8 jeux plus, enfin les 6 jeux plus 3 jeux gratuits. Voilà, merci, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous surtout, mettez un like. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis.